20h sur Gabon News, bienvenue à tous dans cette session d'information à la une de l'actualité ce soir. Après l'ouverture hier mardi au Conseil économique et social à Libreville de la session ordinaire de cette institution, les conseillers de la République planchent depuis ce mercredi sur les travaux en atelier autour des thèmes tels que le Gabon bleu et la décentralisation de l'administration publique. Le bilan de l'exploitation pétrolière et minière annuelle du Gabon est désormais connu. L'entreprise mondiale Ogas Solutions vient de publier un livre sur l'activité pétrolière nationale de 2013, un document à découvrir dans ce journal. Et puis Ibrahim Boubacar Keïta, investi président de la République malienne ce mercredi à Bamako, en présence de la Cour constitutionnelle et des corps constitués, une cérémonie d'investiture qui a fait écho à Libreville avec l'ambassadeur du Mali au Gabon. On le disait tantôt, l'entreprise Ogas Solutions, de renommée mondiale en matière de décryptage des activités liées à l'exploitation pétrolière et minière, vient de publier le tout premier numéro du livre intitulé « The Oil and Gas Here », un volumineux document dans lequel est analysée toute l'activité pétrolière nationale de l'année. Muriel Doyenné et Rufi Tsoga étaient à la présentation officielle de ce livre. The Oil and Gas, c'est toute l'actualité pétrolière de l'année avec à la clé des analyses et le décryptage complet de performance et contre-performance de toutes les entreprises pétrolières basées et exerçant sur le territoire national, mais aussi le rôle des politiques et tous les principaux acteurs dans ce domaine. Pour les initiateurs du concept, ce fut un travail de longue haleine qui vise à pouvoir maîtriser l'évolution de cette activité au Gabon. Tout d'abord, il est essentiel pour nous de produire un livre qui raconte l'histoire complète de ce secteur pétrolier du Gabon. Celui qui retrace les origines de l'industrie, celui qui met en lumière les principaux événements qui ont lieu dans le secteur et qui traduit la vision pour le pays à travers les commentaires et les opinions des chefs de gouvernement du Gabon et des décideurs du secteur privé. Présent dans plusieurs pays du monde, Ogas Solutions apparaît comme un élément de motivation. Pour ce premier numéro, tout a été visité, partant de l'année de découverte du premier puits pétrolier à nos jours, en passant par les contributions de chaque entreprise ainsi que celles du gouvernement qui aura été remarquable au point de faire du ministre en charge du pétrole l'homme de l'année. Le prix que vous avez gagné est décidé de laisser aujourd'hui à l'administration gabonaise, à la ville gabonaise et pour participer au ministère du pétrole. Vient renommer un moment pour une nouvelle aventure pétrolière et une pour le Gabon. Cinq autres récompenses ont été décernées à certaines entreprises, parmi lesquelles Total Shell Gabon est pionnière dans l'exploitation pétrolière au Gabon. Démarche visant un meilleur développement du pays à travers le secteur pétrolier. C'était hier mardi l'ouverture à Libreville de la session ordinaire au Conseil économique et social, présidée par le premier responsable de l'institution, Paul Biogemba. Plusieurs thèmes en session se sont ouverts et sont en cours de traitement par les conseillers membres. Le compte-rendu de Martial Tsonga et Douglas Tonton. Le Gabon bleu, la mise en service des collectivités locales et la responsabilité sociétale sont les trois thèmes qui seront débattus par les conseillers membres du Conseil économique et social durant une quinzaine de jours. Les assemblées départementales, les communes, tout ce qui est à l'intérieur du pays ne vit que par rapport à Libreville. Et donc il faut essayer de voir un peu, leur donner la possibilité de pouvoir avoir un peu d'autonomie, et de se fonctionner par eux-mêmes, essayer de trouver sur place des moyens de pouvoir vivre et fonctionner sans s'attendre chaque fois que les ordres viennent de Libreville ou bien que les moyens viennent de Libreville. La mise en service des collectivités locales permet d'atteindre des objectifs de sécurité économique et d'accéder au développement. Le Gabon bleu, quant à lui, est une nouvelle politique maritime gabonaise. Il s'agit de tout ce qui est maritime. Vous savez que la mer représente une partie très très importante de la superficie du Gabon et elle recèle un certain nombre de richesses qui ne sont pas non seulement mises en exergue, encore moins développées, et nous sommes en train de travailler là-dessus. Le président du Conseil économique et social, Paul Biogemba, convie tous les conseillers membres de l'institution à prendre part massivement aux différents travaux pour une réussite effective de cette session ordinaire. Le tout nouveau président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a été investi ce jour dans ses nouvelles fonctions
le président de la République. La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée ce mercredi à Bamako, en présence des membres de la Cour constitutionnelle et des corps constitués. À Libreville, l'ambassadeur du Mali au Gabon nous a livré ses impressions au terme de cette cérémonie d'investiture. Kenyongori et Fren Dongo. Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur du peuple. Ibrahim Boubacar Keïta investi dans ses fonctions de président de la République du Mali au terme d'un scrutin à deux tours qu'il a remporté avec 77,6% des voix. Cette prestation solennelle de serment apparaît comme une délivrance pour de nombreux Maliens, à l'image de Yacouba Danioko, ambassadeur du Mali au Gabon, qui exprime ici son soulagement de voir le pouvoir politique reprendre officiellement ses droits. Comme vous dites, c'est un grand jour, un grand moment. Le Mali renoue avec le processus démocratique qui avait été brutalement interrompu. Cérémonie sobre, mais qui suscite tout de même quelques interrogations, parce que c'est déroulant en deux phases. La prestation de serment d'aujourd'hui est constitutionnelle. Maintenant, l'arrêt de la date du 19 septembre pour la cérémonie d'investiture proprement dite, répond à certaines exigences. Outre cette cérémonie officielle, Ibeka, nouveau président du Mali, entend célébrer ces moments avec plusieurs chefs d'État et invités le 19 septembre prochain, deux jours avant la fête nationale de ce pays. Sur un tout autre plan, les populations du quartier Nzayon, dans le 6e arrondissement de la capitale gabonaise, ont déversé les ordures sur plus de 200 mètres de la voie publique en vue de manifester leur mécontentement face à la situation qui prévaut actuellement à Libreville au sujet du ramassage des ordures ménagères. C'est un reportage de Douglas Tontoum et Martial Tsonga. Détritus et autres ordures ménagères sur la chaussée. C'est le sombre constat fait ce matin par les automobilistes au quartier Nzayon. Un geste qui témoigne du ras-le-bol des populations de chantiers modernes. La population est obligée de d'ériger les barrières et ramener la poubelle vers la route, en fait, peut-être pour exprimer un ras-le-bol. Un ras-le-bol. Voilà pourquoi vous voyez cette situation un peu, en fait, se manifester de la sorte. Étalés sur plusieurs mètres le long de la chaussée, avec leur corollaire, les odeurs nauséabondes. Les ordures ménagères constituent un grand danger pour les populations. Quand il n'y a pas de propreté autour des personnes, ce sont les maladies qui s'installent. Et nous remarquons un tas de mouches. Les mouches envahissent les terrains, on ne peut pas laisser quelque chose quelque part. On retrouve les mouches, les gens ont envahi les lieux où elles se déposent sur ces aliments et autres. Donc c'est quand même un peu, c'est dangereux pour la santé. Hein. Les autorités, on leur demanderait tout justement de faire leur travail comme il se doit, afin de protéger la population. Ce ras-le-bol des habitants de chantier moderne a eu lieu au lendemain de l'appel lancé par la présidente du Sénat à l'endroit du gouvernement visant à assainir notre environnement direct. Et pendant ce temps, la perspective de la saison de pluie crée déjà chez les populations gabonaises un vif sentiment d'inquiétude. L'éventualité des inondations que fait planer cette saison interpelle la vigilance de tous. Une situation qui a donc poussé nos reporters à s'intéresser aux différentes stratégies mises en place par les populations des zones à risque pour parer à cette menace. Reportage de Philippe Oyaga et Réfi Tsoga. Nombreux sont les citoyens qui s'inquiètent déjà quant à l'arrivée imminente de la saison des pluies. Un sentiment qui tient au fait que les averses qui accompagnent cette saison se trouvent être à l'origine du phénomène des inondations. Une calamité publique qui touche essentiellement les quartiers sous-intégrés de la capitale gabonaise. Cependant, il suffit de souligner que certains habitants de ces quartiers ont tenté de s'organiser en vue de se préparer à cette éventualité. Ce qu'on s'est démerdé quand même entre nous quelques voisins, de pouvoir nettoyer, ouvrir légèrement. Mais comme il y a d'autres gens qui sont contre, ils prennent la saleté, ils mettent dans ils jettent la nuit.
les étrangers, là, la majorité des étrangers qui sont là, on les sensibilise parfois, mais il y a d'autres qui ne rentrent pas dans la sensibilisation. Alors forcément, ils sont obligés de vouloir toujours jeter des ordures, et là, ça cause des inondations. Il reste que l'insuffisance des moyens d'action auxquels se heurte le volontarisme de ces populations ne doit pas laisser les autorités compétentes et les élus de ces communes et circonscriptions indifférents. Tout ce qu'on demande, c'est l'aide de l'État. Si l'État peut venir en aide aux Gabonais qui sont ici. L'État peut faire quoi concrètement? Bon, concrètement, ben, parlons de la casse. On ne veut même pas qu'on casse. On veut juste que l'État vienne arranger un peu la situation. S'il essaie de vouloir déboucher la buse ou essayer de donner les moyens. Par exemple, soit les pelles, les bourrettes, pour voir que les jeunes du quartier aillent déboucher la buse pour éviter que l'eau encore remonte en saison de pluie. Espérons que le cri d'alarme de ces populations trouveront cette fois-ci un écho favorable. À côté de cela, depuis quelques temps, la signalétique constitue un problème non négligeable à Libreville, la capitale gabonaise, tant sur le front de mer que dans les quartiers. Le constat est le même, problème d'entretien ou simplement absence totale de ceci. Le tour de la question avec le directeur général de la sécurité routière, au micro de Marlise Nguema et Fren Dongo. La signalétique, un problème en plein cœur de la capitale gabonaise Libreville. Entre manque d'entretien et inexistence de signalisation aux normes, les raisons sont multiples. Avant 2009, Libreville n'avait pratiquement plus une bonne signalisation pour la capitale provinciale. Mais ceci obéit à une programmation. Parce que c'est vrai, vous réclamez une signalisation, mais la signalisation coûte de l'argent à l'État. Et nous, nous travaillons avec les fonds qui sont mis à notre disposition. Vous avez parlé de l'entretien. Nous avons rénové les potences et les portiques des feux du bord de mer, donc de la présidence, en passant par Affaires étrangères et le carrefour Arambo, donc à l'Immaculée. Nous avons rénové toutes ces potences-là. Vous pouvez me le remarquer parce que les peintures sont encore assez fraîches à ces endroits-là. Voilà donc, mais je pense qu'un effort est quand même fait en ce qui concerne la signalisation. La ville étant en chantier, les usagers peuvent prendre leur mal en patience en espérant qu'après travaux, Libreville sera certainement dotée de toute la signalétique possible pour une meilleure orientation des touristes en zone urbaine. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à vous qui l'avez regardé. L'actualité se poursuit sur www.gabonnews.com. À demain, même heure.